Bonjour tout le monde, de retour pour présenter des documents d'archives, du coup, en ce début de semaine. Là, c'est des exemples de correspondances qui sont réunies de la mine. Enfin, c'est les copies de courriers qu'envoyait la mine. Vous voyez, c'est du papier un peu transparent. On le voit quand on pose dessus. Et ça, en fait, c'était un papier qui était utilisé pour que quand on tapait un courrier, il y avait ce papier de semi-transparent qui prenait également ce qui était écrit. Du coup, il y avait le courrier envoyé, mais on gardait une copie. Et du coup, toutes ces copies, en tout cas, bah, même si certaines ont pu être perdues avec les déplacements des archives, mais elles étaient conservées. Et donc, on en a quand même pas mal. Là, c'est janvier et février 1958. Voilà, c'est ça. Mais on a globalement entre 1949 et 1959, à part quelques mois manquants. Alors, tous n'ont pas forcément très intéressant. Hein, on a, enfin, c'est du répétitif, notamment nous rappelons nos commandes de telle chose, nous confirmons que nous avons bien reçu telle chose. Mais ça permet quand même notamment de se faire une idée de ce que la mine commandait et à qui. Par exemple, le fait qu'elle se servait du garage Citroën de Riomesse-Montagne pour soigner en véhicule, des boulons qui venaient de Mauriac ou de Bord-les-Orques, ce genre de choses. Donc c'est quand même intéressant. Là, on a l'ONA. Là, c'est pour la colonie de vacances qui était organisée à Saint-Gilles dans le Gard pour les jeunes, les enfants de mineurs et les apprentis. Donc 11 garçons et 5 filles, du coup, pour l'été 1958. Et donc, ça permet de savoir qu'il y avait ce centre de cette colonie de vacances qui était organisée et avoir une idée de nombre de personnes qui allaient et où est-ce que c'était organisé. Et on peut voir en fonction des années si ça change ou pas. Et donc, ça peut être voilà une mine d'informations sur des petites anecdotes de la mine. Donc, c'est ça peut être intéressant voilà deux utilités, soit faire des stats d'ensemble, notamment sur les où c'est que la mine se fournissait en matériel, soit être à la recherche d'une anecdote, et après, à partir de là, creuser cette anecdote pour en savoir plus. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de présentation du document du jour. On se retrouve demain, et on se retrouve au musée de la mine, si vous souhaitez venir le visiter cet été, du juillet et août, toutes les après-midi, de 14h à 17h30. Au revoir tout le monde!